Je suis Jacky Denis, j'ai joué au Racing de 78 à 82 au poste de mille ouverture et d'arrière. Je venais de Bobigny et j'ai eu la chance en junior d'être sélectionné en Île-de-France. Et là, il y avait beaucoup de joueurs du Racing. Et c'est au moment où je devais partir à l'armée. Et moi, mon rêve, c'était de venir jouer à Saint-Jean-de-Luz. C'est-à-dire que les dirigeants d'ici m'avaient normalement monté quelque chose pour que je me retrouve à la base aérienne de Mont-de-Marsan. En fin de compte, ça ne s'est pas fait. Je me suis tapé un an en Alsace. Je suis revenu à Bobigny, dans mon club. Puis après, je suis parti. Mais je m'étais fait des copains. J'avais des amis. C'est eux qui m'ont attiré au Racing. J'ai été au Racing. C'est pas eux qui sont venus me chercher au Racing. Moi qui ai été au Racing. C'est vrai que moi, la première chose qui m'a marqué quand je suis arrivé au Racing, c'est que en équipe première, tout le monde était international de quelque chose. Où il y avait les gars qui étaient en équipe de France A, il y avait en France B, il y avait les internationaux, les universitaires, voilà, tout le monde avait une sélection quelque part, ou avait un titre de champion de France. Ça, c'était la première chose qui était surprenante. C'est vrai qu'à cette époque-là, il y avait aussi beaucoup de joueurs qui venaient de province pour ou travailler, ou qui étaient mutés comme des profs de gym. Il y avait des excellents joueurs, parce que moi, la première année que je suis arrivé, il y a Patrick Mesny qui est muté comme prof de gym. Et à la fin de l'année, quand même, il va gagner chez les Blacks le 14 juillet. C'est des histoires comme ça. Je crois que c'est vraiment l'image du Racing, c'est ça. C'est incroyable d'arriver dans un club pareil. Moi, j'ai été marqué par ça. C'était 1h30 pour aller de Bobigny à l'entraînement. On arrivait, on était un peu fatigué. Heureusement, on faisait pas trop d'entraînement dans la semaine. On en faisait que deux, le mardi, le jeudi, et on jouait le dimanche en première division. Voilà. Et le reste du temps, on travaillait et bon. Il y avait des gens qui étaient dévoués pour nous faire, pour que ça marche. Ils voyaient que je venais en voiture, puis que j'emmenais du monde. Alors, ils ont commencé à me faire des chèques pour des remboursements un peu d'essence, de carburant. Il n'y avait pas de prime de match. Comme la première année, j'ai enchaîné pas mal de matchs. Je me suis blessé, puis à la fin de l'année, ils m'ont rappelé en me disant tiens, qu'ils avaient des papiers à me donner, puis ils m'ont donné une somme d'argent. Voilà, qui est tous les matchs que j'avais fait et tout. Mais je ne sais pas comment il l'avait calculé. Il ne m'a fait aucune promesse, je n'avais pas signé pour l'argent. Et puis ça a continué comme ça un petit peu tout le temps. Hein. C'est vrai que c'était une des premières équipes qui se déplaçait en blazer, cravate. Ça n'imposait qu'on arrivait quelque part. Et puis je reviens toujours à cette histoire des joueurs qui étaient. Qui avaient été internationaux. Alors, ils connaissaient un tel dans toutes les équipes, ils rencontraient quelqu'un. Alors, bon, ça se passait bien. Hein. Des fois, le dimanche soir, on avait du mal à rentrer. C'était une équipe qui allait vers le jeu complet. Un jeu complet au niveau avant, trois quarts, ça jouait beaucoup. Il y avait des excellents trois quarts, mais devant, c'était pas mal. C'était pas des. Il n'y avait pas que des gabarits énormes, mais ça jouait bien au rugby. C'était beaucoup la rue blé, c'est-à-dire qu'on mangeait rue blé avant les matchs du manoir, parce que les matchs du manoir, les deux équipes mangeaient ensemble. La réception après le soir, on retournait rue blé souvent. Et puis après, ben, on vogue la galère. Hein. C'était pas la galère, mais après on allait un peu où on voulait. Bon, on commençait souvent, alors comme il y avait beaucoup de gens du sud-ouest, on commençait beaucoup par le foyer basque. Après le champagne, on allait boire du rouge limé. Ça changeait un peu, mais bon, c'était pas mal. Et puis après, bah, c'était à Paris, hein, ça a été beaucoup les boîtes de nuit, comme le whisky à gogo. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas beaucoup de pubs, c'est venu après le fait des pubs et dans les années 78-82, c'était un peu. C'était pas encore tout à fait ça. On n'allait pas. Bon, il y avait le pub de la Madeleine qui appartenait au PUC, là où les puces s'installaient. Nous, on allait un peu au pub Olympia, les plus jeunes, mais les anciens et tout ça, c'était souvent réception. Et puis, bon, c'était ou la boîte de nuit ou. Voilà. Ah oui, bah, je suis beaucoup le Racing. Je suis beaucoup le Racing parce que depuis que le président Lorenzetti est arrivé, bah, je pense que c'est pas mal. Hein. Ils font des choses intéressantes. Ça devient un grand club. Ça joue pas mal. Des fois, c'est moyen. Décroche un titre de champion de France à Barcelone où j'étais. Je me suis retrouvé comme un supporter lambda. Hein. J'étais comme un fou. Non, je l'ai su. Ouais. Je suis revenu comme entraîneur et je suis très lié avec Henri Chavancy.
que j'ai entraîné en jeune. Eh bien, je dirais que c'est à peu près le même. Quand il est arrivé, ses premières qualités, elles étaient là. J'ai découvert Henri Saint-Valency, il était blessé, il s'entraînait sur le terrain d'à côté. J'ai un copain, il mettait des grands coups de pied dans un ballon et il traversait le terrain comme ça. Tout. Alors j'ai dit, ça m'a choqué, j'ai été leur parler. Quelqu'un qui a un grand jeu au pied comme ça, ça m'a surpris. Voilà, il était plein de qualités, il savait faire plein de choses, il a continué, il a travaillé sur ses points forts. C'était pas celui qui réussirait un 2 contre 1 le plus facilement, mais au moins c'est celui qui ne se ferait pas passer par 2 joueurs en face de lui. En défense, il était capable de les prendre, de se relever, de chercher un autre, de faire marquer, de faire jouer, de faire avancer son équipe. Il avait qualité physique pour réussir, qualité et mentale, et en plus, c'est une personne extraordinaire. Je suis parti d'ici parce que j'étais déjà installé ici et on s'est retrouvé avec des copains de Paris. Et puis le soir, en se baladant à Barcelone, j'ai rencontré un journaliste, Alex Barto, qui a joué aussi au Racing, que j'avais entraîné, et qui m'a dit bah, « ils sont là-bas à l'hôtel ». J'étais à l'hôtel et puis voilà, Henri m'a fait rentrer dans l'hôtel et on a retrouvé tout le monde et on a fait la nuit avec eux, on a fait la soirée avec eux. C'était sympa, j'ai trouvé pour des gars qui étaient champions de France, je trouve qu'ils ont été bien. Je pense qu'après, ça a dû être plus compliqué, les jours d'après. Mais la nuit même, je les ai trouvés bien. Puis c'était vraiment sympa, parce qu'il y avait toutes les générations qui étaient là autour du bar, avec les jeunes et tout. Ça a été un bon moment partagé. Le nombre d'entraînements, hein, la musculation, la préparation physique, c'est un peu dur à dire, mais à une époque, prendre un joueur sans entraînement, techniquement il était capable de faire un petit match comme ça. Aujourd'hui un joueur pro lui fait faire un petit match comme ça, il explose ou il sait pas faire une passe, je pense que c'est la dimension physique. Il y a pas, alors ça fait des matchs qui durent plus longtemps, ça fait des qualités dans le jeu, des soutiens. Quand aujourd'hui il y a un pilier, un deuxième, ce qu'ils font, c'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant. Quand on les mesure, on leur met des GPS, ils s'entraînent. Je pense que la différence, elle est là. Le poste derrière, c'est pas le poste qui a peut-être le plus évolué par rapport au placement, à part le coup de défendre, de venir défendre en ligne sur les liés. Mais après, sur le reste du déplacement, sur le jeu au pied, sur le placement, sur l'intelligence de jeu, je pense que c'est un poste qui a, n'importe comment, pour moi, les meilleurs arrières, c'est toujours ceux qui ont anticipé. Des fois, on dit, putain, il est toujours sous les ballons, il est toujours à tel endroit, toujours à tel endroit, toujours là, toujours. Mais je pense que c'est parce que, bon, il tente un coup de poker, ou il sait, et après, bon, les prises de ballon en l'air sur les chandelles, c'est exactement pareil. Je pense que le rôle, il est toujours le même. Beaucoup de copains, beaucoup de bons copains, beaucoup de bons souvenirs et une amitié réelle avec tout le monde. Et puis voilà, ça continue encore après, 40 ans après. Et puis là maintenant, on s'occupe de nous, on reparle de nous. Et c'est vrai que c'est sympa, on reparle un peu de ces années-là, c'est sympathique.